Hello, bonjour, bonjour, comment ça va tout le monde? Hello, hello. Ah. Merci Christelle, c'est gentil, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau live créatif. Nous sommes mercredi après-midi, il est 14h, vous êtes sur la page ou la chaîne Harmony Scrap et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez pouvoir profiter de ce petit moment rien qu'à vous. Voilà, on oublie tout pendant, allez, une petite heure et on prend juste du plaisir. Un petit café si vous ne scrapez pas et posez-vous tranquille. Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue. J'ai pas vu les commentaires de tout le monde. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, que vous soyez là avec moi. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up! Dans l'Indre et je vous propose chaque semaine un projet créatif, évidemment réalisé eh bien, avec les produits Stampin' Up! Bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez réaliser tous les projets de manière générale avec ce que vous avez chez vous, donc pas d'inquiétude. Hello, hello, oui, je vois passer vos petits messages concernant mes petits coquelicots ici. Oui, j'avais envie de décorer un petit peu mon mur. Et du coup, voilà, j'ai rajouté aussi une petite phrase sur la porte, histoire de décorer un petit peu. Martine, je suis ravie que ton colis soit enfin bien arrivé. Super. Et une plaque de chocolat, Christelle, t'as bien raison. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. On est bien d'accord. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ce que j'ai appelé une carte accordéon diamant. Voilà, c'est un petit mix entre la carte accordéon et la forme d'un diamant. Vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Il faut juste un petit peu de papier. Vous allez voir, c'est très, très facile. Merci Christelle. Bah oui, je suis devant, donc forcément, il faudrait que je me décale un peu comme ça, vous voyez, entre les... Un, là, 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 entre les le chat et là. Je sais plus où me mettre. Je vais m'en aller sinon. Ça peut me faire aussi. Un petit thé pour Marie-Christine. Eh bien, t'as bien raison. Moi, c'est un petit peu d'eau, histoire de m'éclaircir un peu la voix, parce que du coup, papoter pendant 1 heure, eh ben, les moments, le petit chat revient. Alors, je vous rappelle juste quelques infos avant de basculer la caméra. Je vous rappelle que les inscriptions au club de scrap du mois de juillet, eh bien, sont ouvertes jusqu'à ce dimanche maximum. Donc, n'hésitez pas. Petit prix pour l'option 1, elle n'est qu'à 14 euros. Donc, vraiment, c'est le moment de tenter si vous n'avez pas encore tenté l'expérience de ce club de scrap. Vous recevez en fait le matériel pour réaliser en l'occurrence 4 projets très simples avec les fiches techniques et les vidéos pas à pas pour réaliser chacun des projets. Donc très simple, c'est à destination notamment des scrappeuses ou scrappeurs débutantes, mais également aux passionnés parce qu'on n'a pas toujours envie de se lancer dans des grands projets à grande envergure. On n'a pas toujours le temps non plus, mais on a aussi envie de scraper et de se faire plaisir. Donc voilà, des projets qui s'adaptent à tout le monde, hyper détaillés, qui va aussi vous permettre de vous découvrir la collection Œuvre Magistrale. C'est celle que j'ai utilisée pour le mois de juillet. Vous allez voir, elle est vraiment, vraiment très très belle et pas aussi chargée qu'on l'imagine. Nounou, t'en vas pas, on veut voir la suite. Ah non, non. Un petit rhum. Non, non, Christelle, mauvaise idée le petit rhum. Parce que moi, faut quand même savoir qu'un demi-verre de vin et je suis plus là. Il m'en faut pas beaucoup, moi. Alors je vous parle même pas du rhum. Mauvaise idée. Je pense que je vais pas coller droit si je fais ça. Donc le club de scrap, profitez-en des inscriptions jusqu'à dimanche. Autre chose, on a une promo estivale qui démarre dès demain. Il y a plein plein de choses demain, je vais vous la faire courte. Vous avez la possibilité, tous les 60 euros d'achat, d'obtenir un coupon de 6 euros utilisable pour le mois d'août. Alors, vous commandez, vous vous faites plaisir, vous avez un bon d'achat et vous pouvez vous refaire plaisir le mois suivant en utilisant vos coupons.
Alors, elle est pas belle la vie, hein? C'est vraiment trop cool. Et en plus, dès demain, il va y avoir eh bien, des nouveaux produits qui vont être ajoutés au coin des bonnes affaires. Est-ce que vous savez où se trouve le coin des bonnes affaires? En fait, il suffit d'aller sur ma boutique en ligne. Peut-être que vous voyez donc à l'image sur ma boutique en ligne et vous allez ici dans menu, non, pardon, excusez-moi, dans promo et ici vous avez bonnes affaires. Et en fait, vous atterrissez donc sur cette page. Pour l'instant, tous ces produits-là sont disponibles et à prix ridiculement petit, n'est-ce pas? Regardez-moi ces poinçons magnifiques qui ne sont qu'à 28,40 par exemple. Donc, dans cet onglet-ci, dès demain, il y aura des nouveaux produits qui seront ajoutés. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et vous pouvez cumuler ça avec justement les fameux coupons de ce qu'on appelle, eh bien, les jours gagnants. Ça dure du 6 au 31 juillet. Vous avez plus de détails si vous en avez besoin sur mon blog, où je vous explique en fait comment vous allez recevoir vos coupons, vos 6 euros. Vous les recevrez par mail. Voilà. Je vous détaille tout sur mon blog. Si vous ne trouvez pas l'article, vous me le demandez. Je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Mais aussi demain, nous avons des nouvelles exclusivités en ligne, des tout nouveaux produits qui ne sont pas disponibles sur le catalogue et uniquement sur la boutique en ligne. Et elles sont trop belles. Et encore, je ne les ai pas toutes vues encore. Donc on en reparlera dans les jours à venir. Voilà. Alors, tiens, il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu ces espèces de d'intrus sur le live. Bonjour Anouchka, bienvenue. Alors, trêve de bavardage, je vous propose que dès maintenant, on passe à la création du projet. Je vais vous montrer la première version et je vais vous montrer ce avec quoi je vais travailler pour la deuxième. On va rester dans le même style, vous allez voir, mais avec un autre combo de couleurs qui me fait complètement craquer. Alors, si on passe par moi, ma petite Marie-Christine, bien sûr, si vous m'envoyez vos commandes, vous recevrez aussi sans problème eh bien, vos coupons de 6 euros, des 60 euros d'achat, pas de souci. Merci Claudine d'avoir bloqué l'intrus, je pense que c'était le premier du jour, mais probablement pas le dernier. On y va? C'est parti? Et voilà. Alors, regardez. Voilà cette fameuse carte que je vous propose de faire aujourd'hui. Elle est trop belle. Alors, la collection que j'ai utilisée pour cette première version, coucou Fabienne, eh bien, c'est la collection Joliment Éclectique. C'est une collection qui se compose de nombreux papiers à motifs. C'est un gros, gros, gros morceau de. Un gros, gros paquet, pardon, de papier design. Au format 30,5 par 30,5, vous avez 48 feuilles de ce format-là, donc c'est juste énorme, vraiment énorme. Et vous avez la possibilité de faire des créations dans plein de thèmes différents, donc ça c'est vraiment chouette. Ici j'ai craqué bien sûr sur Bain à Bulles, hein, vous l'aurez reconnu, c'est un de mes roses préférés et une de mes couleurs préférées dans les nouvelles sorties cette année. Elles sont vraiment très très jolies. Donc vous allez voir, c'est une carte qui est hyper simple à faire, mais du coup qui va taper dans l'œil de votre destinataire, c'est certain. Et regardez ce avec quoi je l'ai associé. Regardez-moi comme cet ensemble est joli, ce petit oiseau, ce branchage. Tout ça fait partie d'un lot poinçon tampon que je trouve absolument magnifique. Je l'ai reçu la semaine dernière et j'ai complètement craqué dessus. Je pense que vous verrez d'autres créations avec. Du coup, pour ma deuxième version, je vais réutiliser cet ensemble parce que vraiment, je le trouve incroyable. Regardez comme c'est beau, ces belles fleurs là, qui sont découpées mais embossées également. Je les ai un petit peu colorisées légèrement. La colorisation du petit oiseau, la découpe du branchage, les feuillages, je craque. Vraiment, je vous avoue, je craque complètement. Ce lot s'appelle Branche de saison. Il est absolument incroyable. Donc, c'est celui-ci. Donc, voyez, vous avez la possibilité de tamponner tout ça, mais également
de découper chacun des motifs qui sont dans le set de tampons, parce que vous avez tous les poinçons, mais vous avez aussi des poinçons libres ici qui m'ont servi en fait à faire la branche ici sans avoir besoin de la tamponner par exemple. Idem pour la petite. Les petites fleurs viennent d'ici, on peut aussi faire les petites feuilles. Vraiment, il est incroyable. Il est hyper complet ce lot. Il est trop trop beau, donc forcément je craque et je le réutilise aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire les petites fleurs. Vous allez voir, c'est super chouette. Coucou Christine, comment ça va? Alors, c'est parti, on va commencer. Si vous avez préparé vos papiers, c'est super. Vous allez pouvoir scraper en direct avec moi. Si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, le replay sera dispo. Vous aurez aussi sur mon blog la fiche technique complète pour pouvoir donc réaliser eh bien, cette création, la liste des articles que j'aurai utilisés. Bref, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc si rien n'est prêt de votre côté, installez-vous tranquillement et observez. Prenez juste du temps pour vous. Coucou Laurence. Alors, c'est parti. Donc je vous disais, pas mal de papier en fait, mais voilà, quelque chose de très simple. Bon, c'est vrai que la carte est quand même, oups, assez conséquente. Je pensais à toi Anne-Lise quand je faisais la carte. Je me disais, oulala, ça fait beaucoup de papier. Je suis pas sûre que... Effectivement, ça fait du poids dans les enveloppes, hein, mais bon, voilà, de temps en temps, il faut l'envoyer à quelqu'un qui le mérite vraiment et qui va savoir l'apprécier à sa juste valeur, on est d'accord. Alors, vous voyez, j'ai préparé tout mon matériel ici, on va y aller étape par étape, d'accord. Je vais d'abord me focaliser sur la base de carte, vous allez voir, c'est très simple. Et après, on va s'amuser à coller toutes les parties ensemble. Alors, c'est bon, tout le monde est OK, vous êtes prêtes et prêts, on peut y aller, on peut démarrer. Une base unie pour la carte qui mesure 28 par 15,2. On va faire quelques plis et c'est tout. Est-ce que c'est plus qu'un carré normal? Alors, attends Nicole, bouge pas. De la pointe jusqu'en bas, on est à peu près à 15,5. Ce qui veut dire que la carte va rentrer dans une enveloppe 16,5 par 16,5 sans problème. Ou même 16 par 16. Coucou Christelle. Et l'autre Christelle est prête, c'est super. Alors, j'ouvre ma règle parce que je vais en avoir besoin. Toc. Je vous laisse la mesure ici. Voilà, j'essaye de tout caler pour que tout le monde voit. Comme dame, tu me regardes avant de faire. Il n'y a pas de souci, ma petite Marie-Christine. Alors, nous allons nous placer sur le côté de 28 cm, tout simplement. Hop. Alors, j'ai l'impression que c'est assez sombre. Ça sera peut-être un peu mieux pour vous. Coucou Nadine. Donc, je disais, on place notre papier sur le côté de 28 cm et nous allons venir faire... des plis, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 plis sur ce côté-là, et ça sera tout. Alors on y va, 7,6 pour le premier, toc, 7,6, 15,2, 7,6, 15,2, 19,1, 22,9 et pour finir 25,4. Voilà, et tous nos plis sont faits. Pour notre base de carte, je répète les plis dans l'ordre, 7,6, 15,2, 19,1, 22,9 et 25,4 pour finir. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Comme je ne vous vois pas scraper, c'est un peu compliqué.
de se rendre compte où vous en êtes. Mais bon, là, il s'agissait de quelques plis seulement. Ok, alors, on va venir plier notre base de cartes. On va commencer par un pli montagne, donc vers le haut, d'accord? Et ensuite, on agit comme un accordéon, donc 1 sur 2. Donc le premier est en montagne, vallée, montagne, vallée, et pour finir, montagne. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir, c'est un peu comme un escalier avec une grande première marche, et ensuite une plus petite, et encore une plus petite, si je la mets comme ça. Voilà, donc là c'est l'arrière de la carte, et là ça sera l'avant de la carte. Coucou la troisième Christelle, il y a plein de Christelle aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui Christelle, je propose une carte accordéon diamant. Et là on vient juste de faire la base. Ok, c'est bon pour tout le monde? Bon, c'est vraiment simple. Alors, on marque correctement nos plis, les uns après les autres, avec le plioir. Hop. Parce que du coup, il va y avoir du poids sur cette carte. Je retourne pour plier mes vallées. Voilà. Toc. Parfait. Tout simple. Ok, alors maintenant, on va s'amuser avec tous nos papiers unis et nos papiers à motifs. J'avais dit que je vous montrerai avec quoi j'allais faire cette nouvelle carte. Eh bien, j'ai décidé d'utiliser les papiers design des collections de couleurs, et en l'occurrence, celle de la collection des subtils. Les motifs sont trop beaux cette année, je trouve, ça change tous les ans. Et c'est absolument magnifique. Regardez-moi toutes ces couleurs. On est donc sur la collection des subtils. Vraiment trop jolie. Et donc, c'est dans cette collection que l'on retrouve Bain à bulles, Béguin bleu, vous savez que c'est mon bleu préféré. Et on a Horizon de bruyère. On a vraiment toutes nos couleurs subtiles qui sont trop belles. Voilà, donc c'est avec ça que je vais faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, hein, je suis complètement gaga de ce bain à bulles, donc j'ai pas pu résister. Par contre, j'ai décidé de travailler avec un combo de couleurs. Et en l'occurrence, tiens, il faut que j'attrape mes blends pour après. En l'occurrence, le combo de couleurs que j'utilise, c'est pan pan pan, bain à bulles et un petit peu de piscine partie pour mon petit oiseau. Si je prends pas le bain à bulles non plus, hop, ça va pas le faire. Voilà. Donc vous voyez, si je prends ce mix là, voilà, c'est les trois couleurs de base de mon combo de cartes. Et ça va être super joli, vous allez voir. Alors, on va commencer par découvrir les différents morceaux de papier. Je vais prendre les papiers unis et les papiers à motifs. Parce que du coup, on va coller dans la foulée. Je sens que je vais être en panne d'adhésif. Donc, je récupère ma recharge. J'avais vérifié, mais là, j'aperçois le petit morceau rouge. Donc, je préfère anticiper. Alors, différents morceaux. Il va y avoir des morceaux de matage pour la base de carte. Pour deux raisons, du matage pour que ce soit plus joli, mais également pour qu'il y ait du poids sur la carte, sur la base de carte, pour la maintenir, faire en sorte qu'elle reste bien debout, puisqu'on va ajouter les parties diamants sur l'escalier, en fait, si vous voulez. Alors, je vais prendre tout ça, je vais mettre les carrés de côté pour l'instant. On verra ça dans un second temps. Pour l'instant, on va s'occuper ici, donc de notre base de cartes. Toc, je mets mes petites découpes de côté aussi. Voilà ce dont on va avoir besoin pour le moment. Alors, les papiers de matage.
Il vous faut donc deux morceaux de 14,6 par 7. Ce sont donc toc, ces deux-là. Donc, le premier ira ici. Vous voyez, on a notre carte ici. D'accord? Et le second ira à l'intérieur. Encore une fois, c'est pour donner un petit peu plus de poids à la carte pour qu'il y ait un bon maintien lorsqu'elle sera posée. Ok? Donc ça, ce sont les deux de 14,6 par 7. Coucou Rachel, t'inquiète pas, tout va bien. Ensuite, il vous faut, je les ai écrits dans le désordre, mais c'est pas grave, un morceau de 14,6 par 3,2. Vous l'aurez compris probablement, ce morceau va venir ici sur la deuxième marche de l'escalier. Ok? Et pour finir, pour la dernière marche de l'escalier, il vous faut un morceau de 14,6 par 1,9. Voilà, qui viendra ici. Ok? C'est vraiment tout simple. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup de mesures, mais en soi, c'est très très simple. Bon, ça, c'est pour les papiers de matage concernant la base de carte. Ok. Je viens maintenant vous donner les mesures pour les papiers à motif. Alors, il vous faut un morceau de 14 par 6,4. C'est donc celui-ci. Vous avez vu comme c'est beau. D'accord? Qui ira sur le papier de matage et qui va venir donc ici sur la base de carte. Ok? Pour la deuxième marche de l'escalier, il vous faut un morceau ici qui mesure 14,1 par 2,7. Et le troisième, 14,1 par 1,4. Est-ce que vous avez vu comme c'est joli ce... Alors, il y a trop de lumière, bougez pas, bougez pas. Voilà, l'association du pan-pan-pan et du bain à bulles. On a une quatrième ou une cinquième Christelle sur le live. J'adore. C'est énorme. Ok, donc ça, c'est pour nos différents papiers à l'avant de la carte. Si vous avez déjà coupé, vous pouvez tout de suite coller ces ensembles-là sans problème. Ensuite, on a dit qu'il y en avait un ici, là, le 14,6 par 7, qui allait à l'intérieur, qui va donc ici. Et en effet, il y en a bien un, mais qui n'aura pas de papier à motif, qui aura lui un morceau de papier blanc. 14,1 par 6,4, même mesure que celui-ci qui va venir ici. Je le répète très très souvent, si vous voulez tamponner ce morceau de papier, faites-le bien avant d'aller le coller. Je vous laisse ces petites mesures ici à l'écran et je vais, avant de pouvoir le coller, donc je vais tamponner ce morceau de papier blanc. Je suis en train de chercher mon brouillon qui se cache par là-bas. Hop, et je prends aussi mon pack d'encre ici. Alors, pour la première version, j'avais découpé le branchage ici. Je vous montre. Elle est où? Là. En ocre roussillon. Ça allait très très bien avec. Là, je voulais quelque chose d'un peu plus soft. Alors, je suis partie sur le brume d'une. D'accord. Et je vais rester, évidemment, sur le bain à bulles. Coucou Christelle. On est à 6 Christelle, je crois. Il se passe quelque chose, mesdames. Avec les Christelle aujourd'hui, je pense que j'arrive plus à compter. Il me semble que vous êtes au moins 6 Christelle sur mon live aujourd'hui. C'est absolument énorme. Énorme. Aucun problème pour le retard, Christelle. Tout va très bien. Nous sommes au démarrage de l'histoire. Alors, je vais prendre ici mon morceau de papier blanc. J'ai préparé donc mon tampon de petites branches et les petites fleurs ici. C'est juste histoire de décorer un petit peu l'intérieur de ma carte. Comme c'est du brune d'une, je vais le laisser en première génération ou en deuxième? Non, je vais le mettre en deuxième génération.
Alors, une fois sur le brouillon et une fois sur mon papier, comme ça sera vraiment très léger. Je prends ma petite fleur et je viens la tamponner un petit peu partout. Alors, Christelle, je te montre ça tout de suite. Ne bouge pas surtout. Je tamponne mes petites fleurs. Voilà. C'est absolument splendide cet ensemble, je trouve. Voilà, le bain à bulles est très discret. Et avec le brune dune là, ça va super bien ensemble. Regardez comme c'est joli. Peut-être que vous verrez mieux si je me rapproche. Ah ouais. Vous avez vu comme c'est beau ce mélange? C'est vraiment trop trop beau. Donc je vais mettre mes encres de côté pour l'instant. Et Christelle, je te montre de ce pas le projet que je vous propose aujourd'hui. C'est une carte accordéon diamant qui se présente comme ceci. Et là, je suis en train de faire la partie intérieure. Alors, maintenant que nous avons tous ces morceaux de papier ici, nous allons, les cristals en force, tu m'étonnes, nous allons pouvoir en fait tout assembler et tout coller dans un premier temps. Nous allons voir ensuite les carrés dans un second temps. Toc, voilà. Alors, je vais essayer d'être la plus rapide possible pour couper, pour coller tous mes morceaux. Toc, voilà, je vais essayer d'être efficace. Voilà. C'est parti. Hop, un petit peu de colle un peu partout. Avec ça va tout seul. Je m'en mets pas plein les doigts. Donc ça, j'aime bien. Voilà. Oui, vous êtes là. Et comptez-vous les cristals là. Ah ouais, non, vous pouvez pas voir parce qu'il y en a sur Facebook et il y en a sur YouTube. C'est trop bête. Faudra qu'on regarde après le live combien vous étiez, mesdames, aujourd'hui. C'est quand même fou cette histoire. Alors, je crois avoir vu passer tout à l'heure quelqu'un qui disait j'aurais pas pensé assembler ces deux couleurs. Je suis tout à fait d'accord, mais alors pourtant ça va tellement bien ensemble. C'est vrai que c'est pas une association spontanée, mais c'est un combo qui est proposé par Stampin' Up et vraiment, qu'est-ce qu'ils ont raison? Ok. Là, vraiment avec ces petits rouleaux de colle ça va très vite. Ok, maintenant je peux venir coller tout ça sur ma carte. Voilà. Hop. Alors, pendant que je suis en train de coller là, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je suis assez curieuse et je me pose vraiment la question, parmi les nouvelles couleurs, quel est votre grand coup de cœur? On va dire incolore inclus, si vous voulez, mais quelle est vraiment celle qui remporte la palme pour vous, personnellement, parmi toutes ces nouvelles couleurs? Nicole me dit, et surtout pas de tâche avec ce rouleau, mais ouais, on est bien d'accord, vraiment, c'est l'idéal. Il suffit juste de prendre le coup de main et on est super tranquille avec. Alors, je colle ça. Pendant que je colle ça, allez-y, dites-moi quelle est votre couleur coup de cœur dans ce nouveau catalogue qui vient de sortir. Christine nous dit lueur estivale. Alors ça, j'aurais pas parié là-dessus. Nicole Béguin bleu, oui, c'est une ancienne Nicole. Effectivement. Christelle Bucaille nous dit pan-pan-pan. Voilà, comme je suis d'accord. Martine Bain à bulles, mesdames, vous êtes récompensées aujourd'hui. Et après, les 5, les incolores, les 5, c'est vrai qu'elles sont belles aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? Voilà, en collant tout ça va. Tiens, Rachel, lueur estivale aussi.
Ma petite Fafa, bain à bulles et mauve mélancolique, et elles vont tellement bien ensemble en plus. Marie-France, c'est bain à bulles aussi, c'est une couleur qui fait fureur, hein, on est bien d'accord. Elle est vraiment incroyable. Allez-y, allez-y, continuez à mettre vos couleurs. Pendant ce temps-là, je vous donne les mesures pour les prochaines étapes eh bien, de cette jolie carte. Alors, je reste sur évidemment mon pan-pan-pan et mon bain à bulles. Volontairement, j'ai changé de motif. Et du coup, pour ce qui est des mesures. Pour le papier uni, Nicole Horizon de Bruyère. Ah oui, c'est vrai qu'elle est belle. Les carrés, il vous faut un carré de 10,3 de côté, de 9 cm et de 7,8. Ils sont tous les trois ici. Je vous remets les mesures. Et pour le papier à motif, eh bien, tout simplement 9,8, 8,5 et 7,3. Ma routine part sur le blé sauvage. Et Christelle Bucaille, aujourd'hui, j'utilise Corail Calypso et Piscine Party avec la collection Botanique Ancrée. Qu'est-ce que ça va être joli, ma petite Christelle. Faudra bien penser à nous montrer vos versions, ça me fera trop plaisir. Ma routine, bleu bohème aussi, trop bien. Explosion de beige, j'adore. C'est vrai qu'elle est très très belle. Elle est dans œuvre magistrale et elle est vraiment magnifique. Il vous reste à coller, évidemment, les papiers à motifs. Ah, vous voyez, j'avais dit que ce serait la fin. Marie-Christine nous dit Frésia en fleurs. C'est vrai qu'elle était très belle et on a de la chance, elle est toujours là. Voilà, donc les papiers à motifs, on vient donc les coller sur le pan-pan-pan. Tac, j'y vais en douceur celui-là parce que c'est celui qui est costaud. Hop. Et si on va trop vite, on a tendance à arracher le papier. Baie explosive. Explosion de baie, ma petite Christelle. Mais baie explosive, ça me va bien aussi, je trouve. Il est mouru, ruban de colle. Ouais, c'est clair, ma routine. Mais je le savais. En commençant, je me suis rendu compte que ça arrivait à la fin. Hop, voilà. Alors, je viens coller ça. Voilà, pareil sur l'autre. Et après, il nous restera plus qu'à les coller sur notre carte. Mais il y a juste une petite astuce à voir. Pour un des carrés, vous allez voir, je vais vous montrer avant de tout coller. Allez, toc. Voilà. Donc nos trois futurs losanges en vrai sont prêts. Voilà, on va pouvoir les disposer sur notre base de cartes. Alors, la petite astuce va concerner le plus grand, donc celui qui va se mettre sur la première grande marche de l'escalier. Je vous montre ça de suite. Donc je vais mettre ma carte à plat, d'accord? Je vais prendre mon petit carré. Je vais aussi prendre une paire de ciseaux et un crayon de papier. L'idée, c'est donc de venir placer notre losange ici. Ok? Si jamais vous voyez que ça dépasse ici, sur le bas, et que... Attendez, je recommence. L'idée, c'est d'aligner la pointe de votre losange ici avec le haut de votre pli ici et également ici. Selon comment vous avez coupé, ça peut se jouer à quelques millimètres. Vous pourrez peut-être constater que votre pointe du bas a tendance à être trop basse. Si jamais c'est le cas. Coucou André, mais aucun problème pour le replay. Alors, hop, je disais donc, si ça vient trop là, si ça dépasse de votre matage, par exemple, venez faire une petite marque en fait sur la pointe ici, d'accord, et vous coupez. L'idée, c'est que la pointe de votre losange,
eh bien, ne soit pas écrasé par le pli ici, que ça ne fasse pas un blocage ou que la pointe soit enfoncée, d'accord? Donc au pire, il vaut mieux couper. A priori, j'ai fait une petite modification dans la taille de mes carrés. Donc là, ça tombe pile poil. Mais si vous regardez sur ma carte de base, vous voyez, j'ai coupé la pointe. Et en fait, ça ne se voit pas. Vous voyez? Christelle, tu t'es trompée, mais c'est pas très grave en fait. Est-ce que je peux t'aider? Ok? Donc vous voyez, il suffit de couper le petit bout si jamais ça dépasse. Et après, eh bien, il ne nous reste plus qu'à coller nos losanges les uns à la suite des autres sur chacun, eh bien, des étages de notre carte. Ça marche pour vous? C'est ok? Alors, on y va. Je vais venir coller. Et ensuite, on va terminer ensemble la déco. Vous allez voir, je vais faire des petits trucs avec les petites fleurs. Je vais vous montrer des petites astuces pour travailler les fleurs. Je vais coloriser mon oiseau. Donc, ne partez pas si vous avez fini. On n'a pas encore terminé. J'adore aussi le papier design marguerite et le combo de couleurs blé sauvage avec mauve mélancolique. Eh bien voilà, une association que je n'aurais pas non plus pensé à faire, mais qui doit être très sympa en effet. Alors, je viens coller mon losange. Faites attention évidemment à ne pas en coller l'intégralité de votre losange, seulement une moitié, on est d'accord? Voilà. Je n'en mets pas partout, parce qu'on a juste une moitié qui est collée. Ça bug, Nicole? Ah oui, ça, avec les réseaux. Trop mignon le porte-clé. Oui, c'est Fabienne Planteline qui a eu la gentillesse de me le confectionner pour mon anniversaire cette année. Et j'en ai un autre aussi qui m'avait été fait par Héloïse, qui est là, bougez pas. Ça, c'est Fabienne qui me l'avait fait. Héloïse m'avait offert celui-là et j'en ai un autre qui est précieusement rangé, qui m'avait été fait aussi par une amie. Voilà, donc ça me fait trop plaisir. Pour aller positionner, eh bien, le second, ce que vous pouvez faire, c'est donc le présenter, le mettre en place, d'accord, et venir faire un trait de crayon juste en dessous, au niveau de l'intérieur, pour, eh bien, vous guider, pour savoir où coller, voyez. Et du coup, là, je sais que je vais mettre ma colle ici, et pour le coup, je pense que je vais utiliser ma colle liquide. Hop, parce que ça sera plus adéquat. Voilà, ça c'était une nouvelle petite astuce. Un trait grossier sur l'intérieur pour vous guider, pour bien indiquer donc l'emplacement du collage quand c'est ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Coucou Isabelle, non, oh, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas pile poil à l'heure. Tout va bien, pas de prise de tête, vous arrivez quand vous pouvez. Et il y a toujours, toujours le replay. Donc vraiment, il faut que ça reste un plaisir et un moment de partage ensemble. Donc zéro pression. Et je suis ravie que tu sois là, Isabelle. Voilà. Hop. Alors vous avez vu, j'ai pas mis les rayures dans le même sens. C'est volontaire. C'est aussi pour changer. Hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans le méga droit carré. On est d'accord. Et je vais venir donc positionner le dernier. Toc. Voilà. Donc, soit vous décidez de le mettre carrément plus bas. Attendez, bougez pas. Carrément plus bas. Et du coup, vous l'alignez avec le carré arrière. Ou vous l'alignez avec le papier design du losange du centre. Là, pour le coup, eh bien, sentez-vous libre, vous faites comme vous voulez.
Alors pour le coup, je pense que je vais faire un entre-deux ici. Entre le matage et le papier design du losange central. Voilà, j'aligne mes pointes en haut, j'adore. Et du coup, je vais faire comme tout à l'heure. Alors là, il faut avoir un petit peu de dextérité si on veut rien lâcher. Voilà, juste pour mettre mon petit trait de crayon. Voilà, merci Isabelle, c'est gentil. Les papiers à motifs, des collections de couleurs, les motifs sont magnifiques cette année, je trouve. Vraiment, je craque complètement dessus. C'est vraiment super joli. Les petits cœurs, les rayures, les petits pois, les petits traits, c'est vraiment très très original. J'aime vraiment beaucoup. Alors, ok, ça me paraît pas mal. J'espère que vous verrez mieux les couleurs en photo. Mais là, vous apercevez quand même un peu mieux le pan-pan-pan. Pourtant, je suis à la lumière du jour. Hein. Voilà, avec tous ces motifs, hein, on est vraiment sur un super combo. Regardez. Alors après, on peut imaginer des versions totalement différentes avec plein plein de collections de papier différentes. Et c'est ce qu'on aime. Alors, je vais maintenant m'attaquer à la déco. Donc, je vous ai dit que je restais sur le même principe, mais du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai déjà découpé mes petites fleurs qui sont donc coupées et embossées. Coucou Annie France, il n'y a pas de souci, vous pourrez voir avec plaisir le replay. Alors, est-ce que le zoom va vouloir se faire comme il faut? Ah, on y est presque. C'est tellement petit. Bon, les petites fleurs sont découpées et sont un petit peu embossées. Le petit oiseau est tamponné et découpé également. Voilà. Ici, mon feuillage. Eh bien, je l'ai tamponné en deuxième génération, c'est-à-dire j'ai utilisé le pan-pan-pan, j'ai mis trempé mon tamponnage dans l'encre. Tamponner une première fois sur mon brouillon et ensuite sur mon papier final pour que ce soit toujours en pan-pan-pan mais un tout petit peu moins marqué. Mais au moins on reste dans les mêmes couleurs, très légères, donc j'adore. Et donc je vous disais, le fameux branchage découpé avec les poinçons et cette fois en brune dune. Donc je vais assembler tout ça, mais juste avant, toc. Je vais prendre. Alors dans ces cas-là, vous prenez par exemple un tapis de mousse quelconque. D'accord. Je prends mes petites fleurs ici. Avec le papier marguerite, ça serait bien aussi. Alors je suis tout à fait d'accord. C'est très doux, c'est reposant. Ça, je suis bien d'accord, Isabelle. J'ai mes petites fleurs. D'accord. Je vais prendre mon outil touche-à-tout qui est ici avec la petite boule. Et je vais venir appuyer au centre pour faire relever les pétales. D'accord? J'en ai une qui est un peu coupée là, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'étais sur une chute de papier. Toc. Donc vous pouvez faire ça aussi avec un bout de stylo si vous voulez. Mais pour le coup, l'outil touche-à-tout là-dessus, il est vraiment super pratique. Voilà, donc je donne une forme, ça, du coup les fleurs se relèvent un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je fais ça sur toutes mes petites fleurs. Voilà, comme ça casse les fibres du papier au centre et ça fait se relever les différents pétales de mes fleurs. Donc vous voyez, quand on insiste plus ou moins, ça se relève plus ou moins. Ça dépend de la pression donc que vous mettez sur votre outil. Ok, maintenant que mes fleurs sont un petit peu redressées, je prends mon encre bain à bulles, évidemment. Je prends mon doigt éponge et je vais tout bêtement venir coloriser les extrémités de mes petites fleurs. Donc là, c'est pareil, vous y mettez l'intensité que vous voulez. D'accord? Soit vous vous contentez de faire juste au bord, soit
l'intégralité des pétales de fleurs. C'est comme vous voulez. Voilà. Mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, de les coloriser entièrement avec des Stampin' Right, des feutres à eau ou vos blends, les feutres à alcool. Il y a plein de possibilités avec l'aquarelle, les crayons aquarellables, les crayons estampes, bref. Pour le coup, plein de techniques possibles. Mais là, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de me servir de mes doigts éponges parce que je considère que je ne m'en sers pas suffisamment. Et c'est un peu dommage. Voilà, en plus, ça va super vite. Hop. Au passage, je me colorise un peu les doigts, mais avec le bain à bulles, c'est pas très grave. Voilà. Voilà, plus ou moins d'intensité, soit juste au bord, soit on fait rentrer l'encre un petit peu à l'intérieur. Peu importe. Voilà. Oups. Du coup, c'est très joli. Est-ce qu'il m'en reste ? Oui, il m'en reste une petite affaire ici. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que je vous vois plus commenter là ? Vous êtes toujours là ou je vous ai perdu ? Dites-moi, au secours ! Me laissez pas toute seule ! Voilà. Et du coup, toutes mes petites fleurs donc, ne sont plus à plat et sont colorisées aux extrémités. Ok, alors hop, je les mets ici de côté, je prends mon petit oiseau, merci Claudine, je prends donc mon combo de piscine partie et de bain à bulles pour venir coloriser mon petit oiseau. Donc je vais faire sa tête et son plumage en piscine partie. Est-ce que ça va fonctionner ? Voilà. Donc d'abord mon clair ici, voilà, je prends le foncé pour accentuer certains endroits, je me sers simplement du tamponnage, hein. On se complique pas la vie, et j'attaque son petit corps, son petit ventre avec le bain à bulles, je vais laisser une partie blanche, juste un peu, et pour le reste, je vais... Ah, vous êtes toujours là, merci Isabelle. Merci Marie-Christine. Un petit peu de foncé ici. Et là, voilà, et son petit jabot là, voilà. Comme ça, on a un petit peu de lumière, on a un petit peu tout ça. Donc, c'est chouette. Donc, toujours le combo de couleurs, piscine partie, bain à bulles et donc pan avec donc le matage de la carte. Du coup, eh bien, il me reste plus qu'à associer tout ça. Donc l'idée, ça va être, je prends ma petite pince, oui ça devrait être pas mal, va être donc de venir coller mon petit branchage sur l'avant de ma carte, d'accord. Je peux me permettre de la faire dépasser cette branche de mon losange puisque ça sera bien sur l'intégralité de ma carte, donc c'est pas un souci. Donc là pour le coup, hop, je vais mettre des petits points de colle. Alors j'aurais pu, c'est vrai, utiliser des feuilles adhésives, mais j'ai eu la flemme de les sortir. Et c'est surtout que j'avais déjà coupé ma branche quand j'y ai repensé. Donc je me suis dit bon, je vais pas gaspiller, ça sert à rien. Voilà, donc des petits points de colle un peu partout, ça va aussi très bien. Voilà, toc. Donc, je viens positionner cette jolie branche. Voilà. Le brune d'une va très très bien avec le bain à bulles, je trouve. Coucou Martine, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Voilà, maintenant je vais coller donc mon ensemble de feuillage tamponné en deuxième génération avec le pan. Tout ce que je suis en train d'utiliser là, hein, vous le retrouverez dans une liste spéciale qui sera publiée donc sur mon blog et vous retrouverez donc toutes les références sans exception de tout ce que j'aurai utilisé pour les deux versions de ce live. D'accord, donc ne soyez pas inquiète.
Vous allez tout avoir. Allez, je vais réussir à viser. Voilà. Ok, super. Donc là, on a nos feuilles qui sont en train de se coller. Ce qui est joli, c'est que notre branchage apparaît toujours au travers. Donc c'est vraiment très chouette. Du coup, on voit bien les différentes couleurs. Donc c'est super agréable, je trouve. Ça prend forme. Hein. Ok. Il me reste à coller donc mes petites fleurs et mon petit oiseau. Pour mes fleurs, regardez, je vais prendre mes glue dots, positionner déjà mes petites fleurs dessus. Toc. Voilà, comme ça, ça c'est fait. J'ai plus qu'à les attraper pour les coller. Bon, quand ça veut bien venir du premier coup, voilà. Voilà, et du coup, je viens les coller, les disperser un petit peu partout sur mon branchage et sur mes feuilles. C'est totalement aléatoire, hein, vraiment. Vous mettez vos fleurs où vous voulez. Toc. Vous en mettez autant que vous voulez. Voilà. L'idée, c'est juste de se faire plaisir et trouver ça beau. Toc. Je vais relever un petit peu mes pétales ici. Si ce n'est pas assez marqué à mon goût, parce que j'ai fait au départ. Mais bon, comme je les ai écrasés pas mal avec mes gouttes, c'est un peu logique. Et puis la petite dernière, je vais la mettre où? Par là. Allez, voilà. Et du coup, il me reste mon petit oiseau à coller. Lui, je vais lui mettre un petit glue dot à l'arrière. Ça lui suffira amplement. Voilà. Comme ceci. Vous avez vu? C'est chouette, hein? Et la petite touche finale. Alors, est-ce que je les ai rangés? Non, ils sont là. Je vais mettre des petits embellissements sur mes fleurs. Est-ce que j'en ai encore des petits? Oui. Des petites perles au cœur de mes fleurs pour donner encore un petit peu plus de brillant. Pour le fun, vous pouvez aussi ces petits embellissements là, eh bien, les coloriser avec vos feutres à alcool. Donc là, en l'occurrence, avec bain à bulles. Voilà, ça fait une petite touche rose clair par-dessus qui est super chou. Voilà. Du coup, vous aurez eu plein d'astuces aujourd'hui. La colorisation des petits gemmes avec les blends. L'utilisation du touche-à-tout pour accentuer le cœur d'une fleur. Un petit peu de colorisation au blends, le tamponnage double génération avec les pattes d'encre, évidemment la création de la carte. Du coup, plein d'astuces pour vous, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Isabelle, ouais, moi aussi ça me fait penser aux cerisiers qui sont absolument magnifiques, mais c'est vrai que ça nous fait vraiment vraiment penser à ça. C'est magnifique ces arbres-là. Et du coup, ça ressort pas mal ici. Je vire mon bazar de là. C'est quand même plus sympa. J'arriverai pas à tout enlever. Hein. J'ai pas assez de place. Elle est très belle, cette carte, très reposante. Merci beaucoup, ma petite Maritine. Et du coup, voilà. Merci Anne-Lise. Du coup, on a nos jolies fleurs ici qui sont découpées, embossées, un petit peu colorisées très légèrement à l'extérieur. La petite perle qui va bien au centre. Le combo de couleurs pan pan pan, bain à bulles et piscine party qui vont super bien ensemble. La déco à l'intérieur, brune dune et bain à bulles. Voilà, je trouve que c'est super chouette. Et on peut pousser un petit peu plus loin la déco en utilisant notre Wink of Stella
pour mettre un petit peu de paillettes sur nos fleurs. Alors, je pense qu'à la vidéo, vous ne le verrez pas forcément parce que c'est quand même très léger. Il faut vraiment avoir les yeux dessus. Mais voilà, un petit peu de paillettes ici pour faire encore plus briller ces jolies fleurs ici. Ça sera la petite touche finale. Donc, je vous avais dit au départ, hein, on reste un petit peu dans les mêmes tons. Merci beaucoup Martine, c'est adorable. Dans les mêmes tons, mais voilà, avec des combos de couleurs différents. Ici, je ne vous l'ai pas dit, mais le matage est en bleu nuit. Donc, le bleu nuit fonctionne aussi très bien avec le bain à bulles. Vraiment, c'est très très joli. Et mon vert ici sur mon feuillage, c'était du vert jardin. Pareil, tamponné en deuxième génération pour l'éclaircir un petit peu. Et puis bien sûr, pour le coordonner avec le papier fleuri ici, de joliment éclectique. Donc voilà, cette deuxième version. Des paillettes dans ma vie, Kevin. Claudine, tu m'enlèves les mots de la bouche. Forcément, on y pense. Hein. On y pense obligatoirement. Merci, Christelle. Voilà ces deux versions de la carte accordéon diamant. Peut-être existe-t-il un autre nom, mais est-ce que c'est vraiment important? Pas du tout. Et puis, je vous rappelle ce lot incroyable. Vous avez vu, vous comprenez maintenant pourquoi je l'aime tant. Parce qu'il est vraiment hyper polyvalent, très pratique. Toutes les découpes pour tous les tamponnages. J'ai pas pu tous les faire. Hein. Voilà, avec tous ces poinçons, plus des poinçons en solo, ce que j'appelle, puisque du coup, ils se découpent donc sans les tamponnages. Donc vraiment, c'est super, super pratique. Voilà, c'est dispo en ce moment. N'oubliez pas que vous pouvez aussi eh bien, vous faire plaisir dès demain en obtenant les coupons des 60 euros d'achat. Connectez-vous sur ma boutique en ligne. Utilisez, alors est-ce que je vais l'avoir ? Là. Utilisez le code hôtesse. Et ben voilà, il est là. Le code hôtesse, il est là, Claudine. Et puis les coupons, en fait, eh bien, hop, je vous remontre. Des 60 euros d'achat sur ma boutique en ligne. Stampin' Up vous offre 6 euros à dépenser au mois d'août. Donc vraiment, vraiment, c'est le moment de vous faire plaisir. Et je vous rappelle les nouveaux produits qui seront disponibles les exclusivités en ligne dès demain, donc des nouveaux produits qui ne sont pas disponibles dans le catalogue, mais uniquement sur la boutique en ligne. Allez, jetez un œil demain sur la boutique, vous allez voir, c'est magnifique. Les nouveaux produits à prix réduit dans le coin des bonnes affaires. Et puis, toujours, les inscriptions pour le club de scrap du mois de juillet qui sont ouvertes eh bien, jusque dimanche. Et vous avez le lien donc dans la publication ou dans la description sur YouTube pour pouvoir aller consulter l'article et vous inscrire. Vous ne prenez pas trop de risques, 14 euros l'option 1, vraiment de quoi vous faire plaisir à prix mini. Pour Claudine, pardon, alors je te donne ça tout de suite, mais tu l'auras sur mon blog. Hein. Tiens, c'est bizarre, je retrouve pas la référence. Les poinçons tout seuls, attends, bouge pas, regarde, je vais te dire ça tout de suite sur mon joli catalogue. Branche de saison, branche BRR, harmonie va plus vite. Page 21, toc, voilà, il est donc page 21 du catalogue, voilà. Si je change de caméra, ça sera plus simple pour vous. Bougez pas. Voilà. Il est ici. Trop beau, hein? Et donc, le lot 161-366 pour le set de tampons et les poinçons. 161-366 pour le lot. Et du coup, il est à 65,50. Donc, si vous le commandez demain, rien qu'avec ce lot-là, vous obtenez un coupon de 6 euros à dépenser au mois d'août. Donc, c'est parfait, vous savez déjà ce que vous allez mettre dans votre panier dès demain.
J'espère que ce live vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez découvert des nouvelles choses, des astuces, que vous allez vous aussi reproduire cette création. N'hésitez pas à vous rendre dans quelques minutes sur mon blog harmoniescrap.fr. Vous pouvez aussi vous y abonner, comme ça vous recevrez à chaque fois que je publie quelque chose, vous le recevrez dans votre boîte mail. Donc ça peut être aussi le bon plan. Et donc vous y retrouverez le replay de cette vidéo, vous y retrouverez la fiche technique et la liste des articles que j'aurai utilisés pour les deux versions. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent avec moi aujourd'hui. Un petit clin d'œil et un petit coucou particulier à toutes les Christelles qui étaient là aujourd'hui. Comptez-vous, ça a été vraiment très drôle. Je vous remercie. Vraiment merci beaucoup. Si vous regardez en replay, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Et n'hésitez pas, même après le live, à partager cette vidéo. C'est vraiment grâce à vous que je suis toujours là et que je peux vivre cette passion avec vous tous. Je vous embrasse. À très très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.